Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est encore cette semaine encore à Bassin-Labou, ici même sur Canal Austral, bien entendu, pour parler de la musique, pour parler de la musique de La Réunion, pour parler d'un artiste. Il s'appelle Marcos. Il est là avec moi et il va nous parler de sa musique aujourd'hui. Marcos, comment il est? Bonjour, ça va. Hein, ça va? Marcos. Marcos, n'est-ce pas que vous vous Ah, je ne crois pas. Si, n'est pas que vous vous n'est pas que vous vous parce que vous faites ces gars. Oui. Fait ces gars. Et là, non, on fait ces gars. Un bout de temps, oui. Un bout de temps. Combien de temps à peu près? Oh, une bonne dizaine d'années. Hein. Une dizaine d'années avec des trois morceaux qu'on a sortis ces derniers temps. Ah aussi, oui, hein. Oui. Quel titre comme ça? Les titres comme ça. Mais pourquoi sortent vraiment des titres hein? Là, c'est la première fois que je sorte des titres là. Oui, oui. C'est-à-dire là, je me sorte un petit album de cinq titres là. Ouais. Avec un petit clip. Ouais, mais ces titres-là, là, ils sortent pas là. On a longtemps que tu chantes de bonnes morceaux, là. Oui, pendant un bout de temps que je chante de morceaux, là, déjà, la dernière fois que je suis venu... Il y a 4 ans, 5 ans, ça, à peu près. Ah oui, 4 ans, 5 ans, ces titres-là étaient déjà sur la route. Ouais. Hein. Et donc, t'es fallu réunir un petit peu au moins 5 morceaux pour pouvoir faire un petit EP, comme Banaï dit ça. Un petit EP. Un petit EP, 5 titres. 5 titres. Hein, et il appelle comment, le petit EP, là? Le petit EP, il est fait sur le nom de Run Dallon. Run Dallon, c'est un groupe qui s'appelle Run Dallon. D'accord. Le PL est fait sur ce nom-là. D'accord. Hein. Et où tes chansons de là maintenant, où est un petit peu en solitaire, comme on dirait? Aujourd'hui, bien sûr, on est un petit peu en solitaire parce que les musiciens, ils travaillent, ils prient. Donc, t'es un peu, comment on veut dire, t'es un peu juste pour pouvoir aller avoir Oison en présentiel. Là. Voilà. Mais pas grave, parce que Bon est dans le cœur, comme il dit. Voilà, il est dans le cœur, mais il pense à Oison, un petit pensée pour tout le monde. J'ai tout mis une pensée pour mon soliste, là, que les malades. Ouais, ouais. D'accord, voilà. Alors, ok. La musique qu'on fait, c'est quelle musique, ça? Là, pour l'instant, c'est du Sega. Rien que du Sega. Après, le prochain album, peut-être qu'il y aura des petits Maloya dessus. Ouais, ouais. Mais là, Maloya aussi? Oui, petit Maloya. Parce qu'on ne connaît pas autrement Maloya, non? On peut dire, Maloya, on dit ça, Sega Maloya. Un Sega Maloya, un petit peu Maloya, mais qui a un peu d'électrique dedans. Voilà, c'est parce qu'il y a de l'électrique dedans. Voilà. On dit Sega Maloya. Voilà. Et donc, le bon morceau qu'on a sorti dernièrement, là, Sega, bien sûr, il parle de beaucoup de choses, mal à écouter, mal à regarder, beaucoup de choses, de faits d'actualité peut-être aussi. Pas vraiment d'actualité, mais l'amour plutôt. De l'amour, surtout. Moi, je m'écris de ce qui se passe là, à un moment T. C'est-à-dire, là, par exemple, là, on m'a fait un petit morceau, il s'appelle La Fumée. Oui. Ça, c'est un morceau qui maintenant, quand je suis très jeune, mais t'as encore l'école, et ça est venu comme ça tout d'un coup. La fumée. Et quand on parle de la fumée, on parle quoi? De la cigarette, ou bien un casque qui brûle, ou bien si on balade un volcan? La fumée, c'est le nom d'un petit chien que me l'avait. Et t'appelles la fumée? Ouais, t'appelles la fumée. Pourquoi appelles-tu la fumée? Parce que son gal, t'es noir, tout le temps, tu dis que gal. Alors, parce que le noir, il parle de la fumée, parce que moi, la fumée est blanc, moi. Non, la fumée. Pour nous, t'es noir. T'es noir. Donc, voilà, quand tu dis la fumée. Aujourd'hui, nous, un médecin dit smoke, c'est la même chose. Smoke. C'est pas pareil. La fumée, smoke, c'est pas pareil. Hein. Smoke, ça veut dire fumer. Fumer. Hein, ou bien sinon un petit zaron fumé. Parfois, nous, on trompe un boucané. Smoke, viens ici. Smoke, t'appelles en anglais aussi alors. Et vous la sortez premier morceau là-dessus. Hein. Voilà, c'est le premier morceau qu'on a sorti. C'est un de moins plus d'une dizaine d'années. Mais quand on sort ce premier morceau là, quand tu dis les textes, tout le monde connaît que tu parles le tien ou bien sinon tes portes un peu à confusion. Surtout les musiciens, tu es pas tout le temps en question. Et les musiciens, toujours, ils mettent ce petit morceau là. Pourquoi c'est ce morceau là? C'est un petit morceau pour mon chien. Un petit morceau pour le chien. Mais elle n'a pas eu que ça, elle a eu d'autres morceaux. Oui, elle a eu d'autres morceaux. Par exemple, là, il parle de l'héritage. Là, par contre, il parle un peu de souvenirs de nos parents. Le prochain morceau, ça fait là, c'est l'héritage. Ouais. Hein? Oui. Un morceau qui s'appelle l'héritage. Ouais. N'a pas fait bataille dans l'héritage? Non. De mon côté, non. Hein. Mais pourquoi on va faire une chanson sur l'héritage alors? L'héritage, c'est-à-dire ce que nos parents là apportent à nous. Donc, pas un partage de biens? Non, pas un partage de biens. L'héritage, c'est le partage vraiment de ce que les parents apportent à nous. C'est un héritage que nos parents laissent pour nous. D'accord. Voilà, ils parlent de ça. Voilà. Ah, d'accord. C'est-à-dire l'héritage culturel, l'héritage sentimental, tout, et surtout l'héritage, comment on peut dire ça, du respect.
de soi, de respect des autres, tout ça. Voilà. Quelque chose que vous passez à vos enfants aussi. Voilà, aujourd'hui, je passe à mes enfants, mais ça éducation dans ce sens-là. Ouais. Hein. Bon, écoute, on va essayer d'écouter tout de suite cette chanson-là. Hein. Ou la menu de bonne son. On avait une bonne son, on l'a donné à Richard, une bonne son, on l'a dit comme ça, on va chanter sur une bonne son. Voilà. Donc Richard va mettre. Je ne connais pas si Lydia Kall ce son-là en premier. Non, inquiète pas, pas l'héritage. L'héritage, le morceau. Il va mettre le morceau là tout de suite, là, ouais. Où elle chante tout de suite ce morceau. D'ailleurs, quand le morceau va commencer, on va connaître tout de suite quel morceau il fait. C'est bon? C'est sûr. Les bons, hein, merci. Ok, hein, nous bouge pas, nous ça va tout de suite, et après nous revient dans un petit instant. Allez, à tout de suite. Thank you.
Eh bien, nous revoilà encore ici même, Bassin Labou, sur le plateau de Canal Austral avec, avec Marcos. Marcos, vous avez un vrai nom, ça, Marcos, là? Non, Marcos, c'est... Mets le micro de ma bouche. Marcos, c'est le petit nom que la donne à moi. Normalement, il m'appelle Jean-Marc. Donc, vous venez, trop long pour autres. La coupe m'a fait mettre Marcos. Ah, Marcos. Marcos, voilà. Un grand artiste madagascar, il s'appelle Marcos, moi aussi. et le Sega, depuis ton petit, où là, t'es ben, tout le temps avec Cousa. Je la baigne là-dedans, les frères, les sœurs, tout longtemps, il n'y a que la musique. Mm-hmm. Moi, je connais la musique, mais depuis, je ne sais pas si je connais Michel Michel Bonca. Oui. Ben, ça hein? habite côté nous. Hein? Donc, tout le temps, moi, tu écoutes la musique. Tout le temps, tu écoutes la musique. Voilà. Oh, la musique. Ouais, ouais. Je regarde Benaz jouer, tout ouais. ça là. Et où tu joué aussi un petit peu aussi? Non. Pas trop? Non, pas trop. Ouais, pas trop. La musique, je commence à faire la musique, ben, une dizaine d'années. Ouais. Je commence par apprendre la guitare. Gratte un petit peu, apprendre des trois petits accords par-ci, par-là, mais les totidates. Hein. Oh ouais. Donc, après, il me dit non, il faut essayer d'apprendre un peu les accords comme il faut. Mais bon, m'a fait une petite leçon, un petit livre pour apprendre les accords. Enfin. Et après, la musique est venue comme ça. La musique est venue comme ça. Ouais. Par contre, depuis l'âge de 15 ans, j'ai écrit. Ah ouais. J'ai écrit des petits textes. Enfin. Je ne connais pas pourquoi. Hein. Tout ce que m'y passait par la tête, m'y écrit. Voilà. Mm-hmm. Et bien, aujourd'hui, des textes. Que m'a vécu comme ça, mais aujourd'hui, m'y mettait en musique. En musique actuellement, voilà. Là, voilà. Hein, et des textes, voilà. On est bompé comme ça, parce que les chansons, on en a un paquet. Voilà, là, hein, bompé, oui. Bompé. Hein. Oui. Enfin, ça ne peut pas dire combien, mais nous connaît qu'on a un paquet de chansons comme ça. Et la chante un paquet aussi de chansons. Des clips aussi, ou l'ENA aussi hein. Oui, là, ouais. Je viens de faire un petit clip là, ouais. Un clip qui sur le nom Rondalon. Ouais. Okay. Hein? Nous va voir ça tout à l'heure à la fin de l'émission là. Là dans un instant nous va aller voir dans une autre chanson encore un autre thème hein? C'est pas la fumée, c'est pas l'héritage hein? Un autre morceau, comment il appelle le morceau là, le morceau ça s'appelle Dalon. Camarade, c'était vraiment non, c'est vraiment c'est Dalon camarade. Là t'es un peu plus festive là, non? Ah ouais, c'était un peu plus festive et comme tu vas la terminer, on amène la bringue. Hein. Ouais. Donc, il a sorti une petite affaire comme ça. Ouais. Et Dalon, dans le temps, on l'avait. Ah oui, ben, jusqu'à aujourd'hui, on a des Dalons. Hein. Même les musiciens. On a des trois Dalons aussi. Là, voilà, on a des trois Dalons. Qui s'en a là aujourd'hui? Là, on a le batteur qui a joué sur l'album, le bassiste. Oui. Et puis, m'amène mon petit neveu avec moi. Elle est à la caméra là-bas. Là, voilà, il joue Canal Austral. Là, il filme là. Hein, ben, il fait comme s'il était Canal Austral. Ben, prochaine fois, m'embauche aussi, hein, peut-être. Dallon, un paquet camarade comme ça, avec ce morceau-là. Ben, la musique a commencé en famille. Mm-hmm. Quand on commence la musique, il n'y avait rien que famille. Mm-hmm. Neveu, nièce, cousin. Ah ouais, parce que toute la famille est musicien aussi. Oui, la famille. Je ne dis pas musicien, mais il ne connaît pas si musicien parce qu'il n'a jamais joué dans une groupe à faire. La famille mais il a toujours fait de la musique. Il a toujours fait de la musique. Voilà. D'accord. La famille a toujours fait de la musique. Et toujours du Sega, pas changé. Du Sega, oui. Sega. Un petit reggae, non? Ah, moi, là, maintenant, ça, il trouve un peu un petit Sega en route, là. Mais quand ça arrive, on l'a fait un petit Sega comme ça. Là. Ben, on l'a commencé à filmer un petit peu, non? On l'a vécu un petit peu de la métropole. Et là-bas, je m'en côtoyé un petit groupe de reggae. Ouais. Et surtout, je m'en côtoyé un petit groupe pendant ma fin de formation en métropole. Ouais. Et je m'en rencontré un petit groupe qui faisait du ska. Mais je ne connaissais pas que c'était via le ska. Mais moi aussi, je ne connais pas que c'était via le ska. Je l'explique à moi, le ska, c'est un mélange de reggae et de rock. Ah. Alors que là-bas, ben, ça l'inspire à moi. Je m'en fais un petit morceau, là-dessus, ce sera pour la prochaine EP. D'accord, alors, ok. Et où autre musicien ici pour jouer ça? Oui, bien sûr. La musicien ici, la Réunion, la musicien. Michel Gabier, il faut pas, faire à la maison, à la Réunion, le musicien joue tout. Ouais. Amène ce que vous voulez, il joue. Et bon alors, là nous allons écouter toujours là, hein, mais tout seul en solo là, ici même sur cette scène là, à côté là, et avec ce morceau il appelle Dalon que ou l'écrit. Là le prochain morceau c'est pas Dalon, c'est La Fumée. La fumée alors. La fumée. Ah ben c'est bon, allez, tant qu'il n'y a pas de feu, de toute façon, c'est pas grave, on peut avoir de la fumée, hein. De toute façon, la détecteur part. Je dis ça à tous mes musiciens, parce que tous les musiciens aiment ce morceau-là. Il faut me dédier à ça. D'accord, alors, laissez-moi tout de suite. Allez. Bon alors, hein, allez, on est parti, après nous revient encore dans un petit instant pour une troisième partie de cette émission. Allez, à tout de suite. Thank you.
et attend. Son des pattes en l'air, on dirait qu'elle danse. Mon chien saute des cimes à la note. On est encore là, on a toujours dernière partie de cette émission-là avec Marcos. Marcos, on a le plaisir d'avoir 4 ans, 5 ans plus tard ici sur Canal Austral pour reparler de haute musique, pour parler de pour parler un petit peu de bande d'allon aussi, parler de. Parce que moi, la fumée, ne parle plus, infini. Bon, il y a ça, la fumée, parce que, elle a dit comme ça, pas de fumée sans feu, ne pas trouve de feu. Mais si tu commences à mettre l'ambiance, c'est trouve. Ah, ben oui, bien que tu faut mettre le feu. Mettre le feu. Mais parfois, il y a mais il n'y a pas de feu. Voilà. Mais il vaut mieux parce que le feu est dangereux. Moi, on a des sacrées expériences sur le feu. On a vécu des choses sur le feu, des trucs brûlés, des maisons où de faire commencer. Ah, oui. Comme là, comme il y a de feu, là, on dirait frisson, il passe 6 mois. Alors, donc, il vaut mieux pas le feu, il arrive. On va mettre des détecteurs partout, mettre des extincteurs partout. Ici, on a un système d'évacuation partout, moi comme ça, nous les tranquille. Si demain, dans le feu ici, ben, c'est à la boue, nous connaît que de monde, il connaît où ça est la sortie, il est, il connaît où ça est l'extincteur, l'autre côté là-bas. Non, mais l'important, ça veut dire ça, parce que des fois, les gens négligent un petit peu, surtout, nous profitons un petit peu de l'occasion, excusez-moi, m'y prendre un petit peu la parole sur tant de paroles, c'est de dire toutes les personnes que dans une maison, dans une case, moi, je pense que la case, m'y connaît, dès que votre case a fini, ou bien sinon, vous allez dans une maison, à garantir la case, mettre une assurance sur la maison, il coûte pas cher une assurance, dégâts des eaux, incendie et tout ça là, mais mon noir
quand de fait tombe dans votre cage. Il faut mettre un détecteur de fumée. Voilà, détecteur de fumée aussi, il est important. Mais surtout une assurance. Moi, comme ça, si de faire prendre votre cage demain, là, ça va connaître que je pourrais éventuellement, pas tout perdre, être un petit peu rémunéré par remboursé par les assurances. Ça, c'est important. Parce que les Open Moon, ils mettent pas les camps de feu, ils prennent dans votre cage parce que malheureusement, ça, depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des incendies dans les maisons. Et bien, c'est là que j'ai crié en disant ma perte, toute ma pénurie. Mais va reste autres, il y a que Freedom pour appeler. Bon, ça, c'était le petit aparté là. Nous, ça finit avec un clip. Un clip. Oui. C'est quoi le clip? Le clip, il s'appelle Dallon. Le clip est. Tous les Dallons que me l'a connu aujourd'hui, hier. Oui. D'accord, alors, ok. Un clip qui était fait par qui ça? Ben, par Richard, par le. C'est Richard même l'a fait le clip. D'accord, les bons, alors, ok. Nous allons écouter ça tout de suite, alors, les bons. Et après, on connaît le chemin maintenant. J'espère que ma vous retournez un coup par ici. Peut-être nous faisons un petit manger ensemble. Faut pas renfermer toi un cuisinier. Bah on trouve un cuisinier. On trouve un cuisinier. Pas ça qui manque un cuisinier, hein? Comme là tout le monde est cuisinier. Un petit cuisinier qui fait du carré créole. Voilà, il suffit de regarder un peu le canal austral et puis il connaît faire la cuisine, hein? Elle est facile, non? Ah moi je me gagne pas. Vous gagnez pas? Vous voulez dire on garde pas bon le canal austral? Si me garde, mais attends, mais quand j'arrive dans la cuisine, je préfère manger, goûter. Je connais pas Patrick comment il fait, je connais pas Béana comment il fait, je connais pas Malo comment il fait. Je connais pas Calix comment il fait, toute banale est là, il y a pas là. Ma fille bien zot fait, mais je sais pas, il faut avoir le doigté quand même. Ah bon? Un petit goût à faire, ça il faut y venir à faire. Non, c'est pas pour moi ça. Mais bon. En tout cas, merci beaucoup. Non, prière, merci de l'accueil. Merci à Richard, surtout. Ouais, Richard qui était à technique comme d'habitude. Et puis après, nous finir avec ce clip-là, il s'appelle Dallon. Dallon. Les bons? Ok, merci. Alors merci. Et nous nous retrouvons. Merci encore. Merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Parole d'artiste sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine. La ville pour aller défouler peu. Il mettait une bonne chemise, pantalon de gars. Pantalon de gars. Les paris pour les filles, j'aime Jean Camille. Il prend mon petit loto, moi si la route. Il passe par le centre pour le doucement. Le chachiage de copains de Dallon. Les paris pour aller défouler peu. Pendant que nous roulons, nous fait un petit programme. Ça fait un tourbillon, nous mouille la gomme. Par contre, s'adresse la voix, karaoké. Des petits chansons pour mettre en jeu. Chacun son chemin, chacun son style. Nous mettre l'ambiance, nous mettre la joie, nous les heureux. Moi, j'y préfère un beau sourire. Voir le soleil ou les bonhommes. Chacun son chemin, chacun son style. Nous mettre l'ambiance, nous mettre la joie, nous les heureux. Moi, j'y préfère un beau sourire. Voir le soleil ou les bonheurs. Nous ça fait la fête. Nous va trouver un piano bar pour défouler. Voir un musicien jouer. Nous ça fait un bain. Nous ça fait un petit cigare pour mettre l'ambiance. Je dis à où mon frère, ça les gadiens. Quand nous les ensemble en harmonie. Nous va chanter, danser, n'abattre la main. C'est comme ça que la soirée va finir. Après bien fatigué. Garde l'amour. L'air pour rentrer la case, aller dormir. Nous l'a bien amusé, nous les comptons. Nous les comptons. L'amusement, la bonne soirée.
la joie nous est heureux. Moi j'y préfère un beau sourire, voir le soleil ou les beaux nord. Chacun son chemin, chacun son style. Nous mettre l'ambiance, nous mettre la joie nous est heureux. Moi j'y préfère un beau sourire, voir le soleil ou les beaux nord.